Salutations voyageurs, nous nous retrouvons à nouveau sur le Seigneur des Anneaux Online pour la suite de notre petite aventure. Je ne sais pas où ça va nous mener, mais on va jouer une fois de temps en temps. Parler au vieux, le fléau des araignées doit être dehors. Pour que les nouvelles quêtes... Ok. Temps de chargement trop rapide. Ah, le fléau des araignées. Content de vous voir. Bonjour. Oui, je connais bien le vieux sentier. Est-ce qu'on peut lire les quêtes pendant ça? Non, on peut pas lire les quêtes. On n'a pas les dialogues en fait. C'est dommage en vrai. On aurait eu les dialogues en même temps, ça aurait été cool. Pas grave, on va tuer des petites araignées. Mais je me déplace pas là. Le jeu il ment. Quoi. Tu mens. C'est quoi ça? Ok, 50 XP de vertu, pourquoi pas. Ça on verra plus tard. Mais là on a toujours les mêmes d'avant la déconnexion quoi. C'est marrant que ce soit encore là malgré ma déconnexion. J'avais oublié tellement. Nickel. Elle va m'attaquer? Non. Vérifier que le mur est intact. Ok, le mur est tout droit. Ah oui, je me souviens. Alors, si vous découvrez ma chaîne sur cette vidéo, sachez que... J'ai déjà joué au Seigneur des Anneaux Online, mais à l'époque, c'était il y a 10 mois, je crois. Ouais, 10 mois. Et j'avais pas le Shadow, du coup, la qualité était pas terrible. Et même, c'était le début de ma chaîne, du coup, j'avais moins confiance que maintenant. Là, ça va. C'est un peu mieux. L'éclaireur du plateau noir est mouru. Et le mur a l'air... plutôt intact. Je crois que j'avais joué 3 heures au jeu. Avant de m'arrêter justement parce que j'étais agacé par les... par la qualité visuelle du jeu. Là ça va, le jeu est beau. Enfin, comparé aux autres jeux qui sortent en 2022, c'est sûr, c'est délicat. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Les sorties, il y a longtemps. Parfait.
Soin total. Je sais pas ce que c'est ça. Bon, on va arrêter de tuer des trucs dans le vent. Même si on prend énormément de plaisir à tuer des trucs dans le vent, quoi. J'ai cru qu'il y avait un truc, mais c'était juste ma cible, ok. Même l'eau est pas moche, honnêtement. Salut, monsieur John Fulgerin. Une impasse nous sortirait de ce pétrin. Vite, Calder Sinule est en route pour Archet. Allez. Vous êtes prêts? Dernière quête d'introduction, ok. John Fougerin et ses chasseurs ont atteint les abords d'Archer, mais ils ont trouvé le village en flammes. Un combat désespéré pour tenter de renverser la situation va s'engager d'un instant à l'autre. Mais, fort heureusement, vous êtes arrivés à temps. Très bien. Il n'y a pas de temps à perdre. Ouais, il n'y a pas de temps à perdre, c'est vrai. La ville est en feu. Nous devons sauver Ned. D'ailleurs, ils sont plus bas level que tous ceux que j'ai tués auparavant. Salut Ned. Amdir, il est tout prêt, il a échappé au massacre. Ok, faut aller chercher à me dire. Nous devons encore sauver Archet. Bah oui, oui, c'est vrai que là on est encore attaqué. Vite. Allez, il est hors la loi. Non, non, pourquoi t'as les épées? Pourquoi tu sors les épées? Non, sors ton arc. Ah, mieux. Ok, on a les PV de Fougerine là. Très bien. Nous devons retrouver mon père avant qu'il ne soit trop tard. La place du marché est sécurisée pour le moment. Nous devons continuer. Allez vite. Vite. Attends. Ces monstres au cœur. Regardez. Ok, j'ai pas le temps. Assis devant nous. J'ai pas le tout temps. N'est pas perdu. Bienvenue, l'ami. La maison des artisans est-elle en sécurité? Des brigands du plateau noir viennent d'entrer dans ce bâtiment, John. Ensemble, nous pouvons les combattre. Ah, on est attaqué. Par contre, des fois, il sort les épées, je sais pas pourquoi. Ok, vous avez fait du bon travail, mon ami. Mais tout risque, malgré tout, d'être perdu. Vite. Il faut tuer les brigands. Battez-vous aux côtés de John, ok. Ok, le capitaine est là. Les retrouvailles. Je suis en vie, fils. Mais le combat me lasse. Attends, attends, tu vas trop vite. Me lasse. C'est la perte d'Archer. Quel idiot je suis. Ce n'est pas le moment de culpabiliser. Nous devons avant tout défendre ceux qui comptent sur nous. Et voilà. Je suis sûr. Défendez-nous. Attends, ça va trop vite. Il se passe quoi? On est attaqué. Tout va bien. Non, tout va pas bien. Ah,
Finis-vous, bordel. Voilà, tout va bien. Ah, il y a à me dire. Mais il est où, grand-père ? En ce qui me concerne, vous avez toujours été aveugle, capitaine. Mais tout ce que je sais, c'est que vous avez trahi la ville et ses habitants. Vous devriez avoir honte. Assez parlé, Amdir. Il est désormais temps de servir le Mordor. Venez. Oui, maître. Bah, nickel. Trahison. Trahison. Amdir qui trahit, quoi. Ok. Ah, le drama. Non. Merde, le petit saut de cabri. Ah non, mais là tu tankes pas bien là. C'est bon, tout va bien. Pourquoi le sort s'acharne-t-il sur nous? C'est un jour triste en effet. C'est bon, il a fini de parler. C'est un jour triste en effet. Archer brûle sous les flammes. Mon père est mort et les rôdeurs sont tombés entre les mains de ces hommes maléfiques. Là. Quelle tragédie. L'attaque des brigands du plateau noir s'étant soldée par un échec, les habitants d'Archer entament la reconstruction de leur village. Mais tous les dégâts ne sont pas facilement réparables. Ce qui est arrivé à Amdir le rôdeur demeure un mystère. Et ceci risque d'avoir des conséquences néfastes pour le pays de Bré. Il reste toutefois l'espoir de le sauver. J'aime bien ce narrateur. Ce narrateur est cool. Ok, on a des quêtes en voiture, en voilà. Que vous faut-il ? Ne plus afficher, hop. Je peux vous demander de m'accorder un moment ? Il me demande d'enterrer des corps. Alors attends. C'est quoi C'est une quête d'histoire ça? Tu as une quête, monsieur l'approvisionneur? Non. Attends, est-ce que je peux vendre des choses? Logiquement oui. On prend tout. Que puis-je faire pour vous? Attends. Je vais vider mes sacs en toi. Vendre. Pourquoi tu veux pas vendre? Ah merde, c'est comme ça. La mémoire d'un homme. Ok, on peut faire clic droit comme ça. On va peut-être le garder, le truc qui donne de l'agilité là. Ah, il y a une ambiance assez sympathique. Hein. Ah, le fléau Passez des araignées. Une minute avec moi. La menace des araignées. Encore? Attends, tu veux que je tue des araignées, là? Insupportable. Quête disponible. Je peux vous parler un instant? Oui, bien sûr. Il y a juste une quête qui est d'histoire, hein, c'est le prologue là. Enterrer les gens. Bonjour madame. Enfin bonsoir pour le coup. Il est un peu tard. Ok, ils sont là les malades. Faut tuer les malades. Oh ça lag. C'est vraiment agréable les lacs du Shadow, hein. N'est-ce pas? Ours brun. Ah. Oula. Ah
Attends, on va focus la quête. Hein. On va tuer les cochons. Parfait, on n'a pas terminé d'ailleurs. Voilà, maintenant parfait. Ça veut dire quoi ça? C'est payant hein, les trucs voyage instantané. Solde zéro, ouais voilà. Ah, un cochon légendaire pas niveau 8. Je me demande à quoi ressemblent les donjons dans ce jeu. Ouvrir le panneau des traits. Calme-toi. Calme-toi, hein. Je vous demande de vous calmer. Hein. Ok, il faut aller au pavillon de chasse. Ouais, je l'ai encore ça réactivé. D'ailleurs, on est passé niveau 8, hein. Laisse-toi tranquille, toi. Non mais... Pour qui te prends-tu, mécréant ? En tout cas, j'aime bien l'ambiance là, qu'il y a à l'heure actuelle dans le jeu. Là. Je la trouve un peu relaxante sur le coup. Ah ! Voilà. Attends, hop. Voilà, parfait. Mais regardez, en tout cas, comparé à ma première vidéo sur le jeu, là, il y a vraiment une ambiance, tu vois. Il y a une ambiance vraiment cool, là. Là, je me sens investi, tu vois. Je me sens investi d'un truc, tu vois. Genre, l'ambiance du jeu, là... En fait, le fait que le jeu soit plus beau... Et même...
Je sais pas. Là, je ressens des trucs. Là, le jeu me fait ressentir des émotions, tu vois. Bonjour Anne. Je suis heureuse que les brigands ont été repoussés, mais à quel prix? Bon, il y a eu 2 morts à peine. 3 peut-être. 3 ou 4. Bon, 17, 28, 30, 40. On a arrêté de compter au bout de 1000. Hein. Par contre, je suis venu ici mécaniquement, mais... Voilà. Oh. Vous n'avez pas de vocation. Bah, pour prendre un bout de viande, il n'y a pas besoin de vocation. Hein. Ok, c'est là-bas. Nate. Murme boisé. Repose en paix, mon ami. Il a été terrassé d'un coup d'épée, le pauvre. Oh bah, le capitaine s'est pris un petit coup d'épée dans la nuque. Dans la nuque de devant, quoi. C'est sûr que là, il marche moins bien. Hein. Ah, il marche moins bien, le vieux. Mais là, en fait, juste me balader, je trouve que c'est plaisant, tu vois. Alors, il réagit pas le cochon. Bah, continue à pas réagir, hein, poteau. T'inquiète pas, ça va bien se passer pour toi. Le cochon qu'il a en mode détente. Ah! T'as pas le droit. Annulation de quête octroyée automatiquement. Vous avez annulé une quête? Comment ça? J'ai pas compris. Ah, je me fais attaquer. Ah, vraiment, on l'a détruit. Mais là, à l'heure actuelle, j'ai envie de me balader un peu et... Je sais pas, là le jeu m'invite à me balader. Quoi. Mais je ressens pas ça sur Warcraft, tu vois. Sur Warcraft, je ressens pas l'envie de me balader. Du coup, moins que ce jeu là. Là, ce jeu m'invite à me balader. J'aime bien. Après, c'est peut-être la découverte. Hein. Voilà, repose-toi. Les peuples libres. Petite oreille. Et beaucoup de peau légère. On a combien de temps? On en a beaucoup en vrai, ça va, on a le temps. Qu'est-ce qu'il vous faut? Un arc, fais voir un peu. Voir les stats, oui, il est meilleur. Merci, merci beaucoup, monsieur. Bonjour, qu'est-ce qu'il vous faut? Ok, il n'y a pas de quête.
Ok, celle-là, il faut la lire, hein. C'est la quête d'histoire. Comment puis-je vous aider ? C'est bien, c'est fait. Ces hommes sont morts, avec le courage, et mérité un véritable enterrement. Une fois encore, Archer vous doit énormément. Maintenant, avant que vous ne partiez, je dois vous dire quelque chose. Un homme étrange a traversé Archer pendant votre absence. Je crois qu'il vous cherchait. Bien le bonjour. Ces quêtes, en fait, on va lire seulement les quêtes qui ont lien avec l'histoire. Voilà, la prologue, on va la faire. On va la lire aussi. L'homme qui a traversé le village m'a dit... m'a rappelé Grandpa. Par son comportement, il a dit qu'il cherchait le héros d'Archer. Je présume qu'il parlait de vous. Il a dit que c'était urgent, et que si je vous voyais, je devais vous mener à l'auberge de Combe. Et du Caroncule... Caroncule ? Certainement. Où il vous attend. L'auberge se trouve au centre de Combe, vers le sud. Il avait un air sinistre. Partez immédiatement pour Combe et parlez au propriétaire de l'auberge, Lisbeth, à l'hydromel. Lisbeth, l'hydromel, c'est son prénom, ça ? C'est bizarre. Hein. C'est bizarre comme prénom. Bref, elle devrait savoir où se trouve cet homme. La lecture, c'est pas mon fort. Hein. Vous accepteriez de me rendre un service ? Oui. Bon, on ne lit pas les quêtes secondaires. Seulement les quêtes principales. Ah voilà, c'est les quêtes qui se trouvent là qu'il faut lire. Attends, on va lire ça pour voir si c'est pas mieux de lire ça ou l'autre, le truc en entier. Lisbeth l'hydromel est la propriétaire de l'auberge de Combe et du Caroncule à Combe. Caroncule ? Mais c'est quoi ce truc ? C'est quoi ce truc ? C'est vraiment au sud d'Archer, John Fougerin a dit qu'il vous que vous devriez rencontrer le sombre étranger. À Combe. Il vous a conseillé de parler à la propriétaire, Lisbeth l'hydromel, qui pourrait vous en dire plus. Ok, on verra une fois là-bas. La lecture. Cet atelier lecture, quoi. Ça fait quoi ça? Okay. Retour à un repère lié. Là, je retourne à Archer. Ok, c'est la pierre de foyer. Oh non, j'ai cru que c'était l'ours. Ah ok, c'est les... la fameuse quête des araignées où on a galéré la dernière fois. D'ailleurs, si vous voulez voir de l'histoire, ce sera pas dans cette vidéo. Hein. Là, on va faire des petites quêtes secondaires. Les dégâts sont très élevés hein, pour le coup. Et encore, on peut concentrer la regen pour faire les deux grosses flèches dès l'entrée. Voilà, on fait des dégâts de fou. Hein. Bah, repose en paix, mon ami.
Récupérer le sac de semences. Oh là. Le 2 et 3, c'est trop fort. Hein. Faut faire le 1 pour faire monter les barres. Et les barres s'utilisent avec le 2 et le 3. Petit sac de semences. Ça dégage. C'est quoi ça? Ça doit être le maçon là-bas. Petit maçon. Vraiment, c'est fort en vrai. J'ai vraiment l'impression que ce personnage est beaucoup plus fort que le précédent. Hein. J'avais fait un guerrier, je sais plus quoi là. Il crie sans arrêt, mon guerrier, le guerrier. Que j'ai supprimé d'ailleurs. Hein. Je l'ai supprimé pour garder seulement ce personnage. Mais t'as beaucoup de points de vie, toi. Voilà. Ok, on va faire un petit retour à Archer. C'est combien de temps de recharge, ça? Une heure. C'est beaucoup une heure. C'est beaucoup une heure. Hashtag analyse. En vrai, on aurait pu marcher, mais bon. Que puis-je faire pour vous? Je peux vous parler un instant? Non. Non. Content de vous voir. À la recherche de Bali. C'est le petit frère d'Aladin, quoi. C'est Bali. Bonjour. C'est Bali d'Aladin, quoi. Oh, une nouvelle quête? Nickel. Vous auriez un peu de temps à m'accorder? Non. Non, non, non. Pourquoi faire? Je vais me répéter, mais là on va pas faire de quête d'histoire. Hein. Du coup, si vraiment vous avez envie de suivre l'histoire du jeu comme moi, là on n'en fera plus. J'en ferai dans la prochaine vidéo. Là, je vais me concentrer sur les quêtes secondaires. Bonjour l'ami, vous pourriez me donner un coup de main? Quand je parle des quêtes principales, c'est la épique, tu vois. Enfin, il me semble que ça, c'est une quête principale. C'est marqué prologue, c'est marqué épique. C'est ça, c'est artisanat. Bon. Ça inquiétera plus tard, hein. En vrai, à la limite, ce que je pourrais faire, pas dans cette vidéo, mais à partir de la prochaine, c'est tout simplement me concentrer hors vidéo à faire les quêtes secondaires et lancer une vidéo quand il nous reste que les quêtes principales. Comme ça on fait une ligne droite sur les quêtes principales seulement. Je pense que ça peut être sympathique. Ou alors faire un peu de quêtes secondaires comme ça, ça vous plaît aussi. En vrai, j'en ai aucune idée. J'avoue, c'est pas elle que je voulais attaquer. Ils sont alliés là, les... N'approchez pas, il y a des araignées dans la gorge. À lui là, au sol là. Bah, repose en paix, poteau. Hein. Des araignées dans la gorge là. L'araignée qui fait une gorge profonde, mais pas comme thème quoi.
Ah, Bali. Bali, c'est lui. C'est ton ami. Repose en paix, Bali. Est-ce que j'ai une quête seulement ici? Je sais que la dernière fois que je suis venu, on s'est perdu. Et apparemment, oui. Oui, on a une quête. Ah. Je crois qu'on s'est quasiment perdu une demi-heure ici. Oui, c'est abusé. Honnêtement, même la grotte est belle. Hein. C'est pas les grottes de Warcraft où globalement c'est tout le temps les mêmes grottes. Attends, il me semble qu'on a une quête secondaire là où il faut tuer un certain nombre d'araignées. Ouais, il faut en tuer 30. Parfait. On est à combien là? On est à 24, ok. On est allé assez tout droit là. Est-ce que je me fais attaquer là? Non. Non, vraiment c'est très fort, hein, archer. Je parle pas de la ville, hein. Je parle de mon personnage. Parce que oui. D'ailleurs, la ville c'est Archer ou Archette? Comment on dit? Il me semble dans les cinématiques j'ai entendu Archer. Du coup, on va continuer à dire Archer. Hein. On va pas changer quoi. Ah d'ailleurs il va y avoir encore de mémoire au fond de la grotte qui a une araignée qui sert de boss. Ah 500 d'extraction. Tueur d'araignée. Ah il y en a encore une. 60. T'as à dire que il me semble que je l'ai fait en plus dans ma première vidéo sur mon guerrier. On va le refaire. On va vraiment faire des trucs giga secondaires quoi. Par là. Apparemment ça avance sur la map, mais seulement sur la map quoi. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, sachez que je live sur Twitch. En général, c'est du Warcraft ou d'autres jeux. En vrai, je suis pas très inspiré sur les autres jeux, parce que, en fait... J'ai un problème avec Twitch, c'est que ben littéralement il y a personne qui vient me dire bonjour. Du coup ben des fois je suis en mode bah pourquoi je stream en fait. Après c'est la dure loi de débuter hein.
Mais c'est encore pire en stream, je trouve, parce que en fait, quand tu streams, t'as certaines. Bah, le fait d'être en live, tu peux pas couper à la volée certaines choses. Alors qu'en vidéo, je peux. Et la qualité de mes vidéos en live, bah, du coup, est réduite. Du coup, forcément, pour moi, c'est pas intéressant. Vu qu'il y a vraiment personne qui vient. Après sur Warcraft, de temps en temps il y a des gens. Sur le Seigneur des Anneaux il y a de temps en temps des gens. Genre j'ai fait que un live mais la dernière fois il y avait des gens. Du coup en vrai ça m'encourage un peu à faire ce jeu en live. Mais en gros, les jeux que je fais en live, c'est les jeux où je trouve qu'il y a du monde qui vient. Et je vois qu'il y a personne, en gros, bah, je fais les vidéos hors live. Parce que globalement, ce que je fais en live, c'est exactement la même chose qu'en vidéo. Hein. Genre, je fais des vidéos en plein live. Qui change pas grand chose. Par là. Le doute. Il y a eu un moment de doute hein, quand même. Il y a eu un léger doute. Alors attends. Mais j'ai pas terminé les cocons là. Attends. Non, c'est pas par là. Il me semble c'est là que j'avais galéré à trouver la première fois. Ouais, voilà. C'est exactement là. Du coup, c'est rigolo de là le voir du premier coup. Après, c'est normal, ça m'a traumatisé de pas trouver la dernière fois. Genre, vraiment, je vous jure, hein. Une demi-heure voire 30 minutes. Ah, petit lag. Voilà. Ça sert à rien, mais on les tue quand même, les nouveau-nés. Hein. Sans pitié. Ah! Voilà. Alors de toute façon on va revenir pour tuer elle une deuxième fois. Là on va la tuer hein. Et on reviendra à nouveau. Là on va la tuer pour le plaisir. Pour le plaisir. Oui le plaisir. Niveau 9. On est où là? On a eu la tête. Pied. Tac. Et on va ouvrir l'inventaire. Il me semble la tête elle donne un truc spécial. Trophée. Non, apparemment non. Non, ça donne rien. Et voilà. C'est pour ça en fait. C'est notamment pour ce genre de choses que c'est mieux. D'être hors live, tu vois. Parce que ça, j'aurais pu faire une pause dans l'enregistrement pour le reprendre juste après. Alors que là, bah, pas possible. C'est pas possible, hein. Oula. Non, c'est bon. J'étais là. Oula, c'est où ça?
Mais vraiment, il y a beaucoup de choses que je ne contrôle pas en live. Notamment si je dois être corps. Bah. Alors que je suis en train de faire une vidéo. Comme je reprends le flux de du live, là c'est chiant. Et comme je suis du genre à pas vouloir faire du montage, genre je suis là en mode. Je dois le mettre dans le truc là pour faire un cut. Oh. Pas envie, hein. Alors attends, on est à combien d'araignées là? Faudrait en trouver une dernière pour savoir combien on... Bon, on va aller rendre la quête dans tous les cas parce qu'il me semble on va y retourner de toute façon. Voilà. C'est peut-être ça qui me donne... qui me donne une quête ou je sais pas quoi. Voilà, lance une quête, je m'en doutais. Du coup, on va peut-être même pas avoir besoin de faire demi-tour. Hein. Mais... Ah! En vrai, ce qui me plaît, c'est plus le fait de me balader en plein air. Mais... Voilà. Incroyable, les dégâts, mon gars. Je sais pas si sur ce jeu il y a un petit système d'auberge comme sur Warcraft. J'ai un doute. Oh là 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 là. La puissance, comme on dit dans le milieu. C'est quoi le truc bleu là? Comment puis-je vous aider? Si cela vous intéresse d'apprendre une vocation, c'est un métier. Les peuples libres. Libres, on t'a dit. Mon ami, avec tous ces brigands, on ne prend pas grand chose en chassant par ici. Que voulez-vous? Attends, je vais te dire. Celle-là, du coup, il y a plus d'armure. Qu'est-ce qu'il vous faut? Armure 79, 100... Hop là. Alors, voyons voir. Il y a un mouton, là. Petit mouton. Alors désolé, hein.
C'est le shadow, quoi. Le petit shadow. Oh là là. La puissance, mon gars. Ah, le jour commence à se lever, hein. Ou alors c'est juste qu'il y a moins de nuages. C'est une possible. Oh, beaucoup de sang a coulé cette nuit. Bah ouais, sois vexé, hein, poteau. Sois vexé. Ah. Mais si elle est en vue, regarde. Tu mens le jeu. Voilà. Attends, j'ai besoin de me concentrer. Oh my wamo. Une de lui. Oh, 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 oh. Attends, mais on n'a pas fini les araignées, c'est vrai. Il faut aller tuer 60 araignées ou je sais plus combien. Mon gars, tous vos objets endommagés à chaque fois vous êtes ok. Du coup, faut pas mourir. La rôdeuse de couvée. Alors attends. Tire rapidement deux projectiles. Attends, on se concentre d'abord. Passage animal. Permet de détecter la présence. Oh. Attends. Ah, c'est pas mal en vrai. Si tu cherches un truc en particulier, genre un monstre rare ou une connerie du genre. Ok. Oh, 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 la puissance, mon gars. Ok, il en manque encore un sacré paquet. On va aller dans la cave. Histoire de. En vrai, en duo, ça doit être génial. Hein. Genre découvrir ce jeu à deux, ça doit être incroyable. Mais non, ça fait pas mal, t'inquiète. C'est quoi ça? Ouvrir le menu système. Tisana, panneau social, journal des prouesses, journal de quête, panneau de personnage, peut-être communauté, panneau social là. Oh, niveau 140, ça doit être ça le niveau max. Faut être motivé, hein.
Ou alors être vraiment un vrai fan en fait. Un vrai fan du Seigneur des Anneaux. Moi je suis fan, mais est-ce que je suis un si grand fan que ça? La réponse est vite répondue, hein, comme on dit dans le milieu. Pour moi, c'est une œuvre majeure qui a bercé mon enfance. Hein. Et j'ai déjà raconté l'anecdote de quand j'étais enfant. En gros, je mettais la trilogie du Seigneur des Anneaux. Et avec mes sœurs, on allait dans le frigo et on quittait la comté un peu dans notre tête avec Frandon et Sam. Et on vidait le frigo et on le mettait dans des torchons. Bref. C'était incroyable. Plus qu'une. Et voilà. 700 de réputation. Avancé, il n'y en a plus. Hein. Il n'y en a plus, on est d'accord. Tueur d'araignées. Attends, on va passer là. C'est quoi ça? Ok. Frapper des ennemis avec angle mort. Ça se fera au fur et à mesure du temps, ça. Ah, je qualifie le jour. Le temps de réaction. Petit ours brun là-bas. Là. On va le casser en deux. Vraiment, je passe mon tour à base du mob comme un débile. Genre, les joueurs du Seigneur des Anneaux Online, ils doivent se dire mais gros, qu'est-ce que tu fous là? Arrête de tuer des loups. Mais je sais pas, en fait, je prends. Je sais pas comment vous dire. Je prends du plaisir à faire ça. Du coup, bah, je le fais. C'est aussi con que ça. Vous savez, la vie est simple. Hein. Ah, il y a un... C'est le même joueur que tout à l'heure. Ah. Ne me touche pas, ma personne est sacrée, comme dirait l'autre. Non. Non, c'est pas volontaire. Désolé. Ok, c'est eux qui ont fait ce bruit. Oui, mais il est niveau 9. Il a un niveau de moins que moi et il court comme Jaja. En tout cas, c'est plus beau. Hein. C'est plus beau que sur mon PC à moi. Là, je me souviens ici, j'étais arrivé là, j'étais en mode mais c'est dégueulasse. Et là ça va, c'est beau. Hein. On apprécie. Je peux vous parler un instant. Ça ne mènera sûrement à rien, mais je pourrais vous parler. Mais oui, madame. Tout ce que vous voulez, gentille dame. Accepteriez-vous de me rendre un service? Non. Non, mais je prends ta quête quand même. Au cas où, en fait. C'est dans l'auberge hein, que j'ai ma quête principale. Salle d'entraînement, auberge de la combe et de la carampule.
Le petit bégaiement à chaque fois hein, quand on voit la caroncule. En vrai, on peut rentrer sans faire la quête. Hein. Gredin. Les Jean-Michel Gredin. Jean-Michel Gredin pour vous servir. Ok. Jean-Michel Gredin. Mes conneries me font sourire. Hein. Et parfois, quand j'écoute un replay, je suis là, je rigole. Je peux vous demander de m'accorder un parce que je dis des conneries et je me dis. Restez con, un peu. T'es con, toi. Désolé de vous déranger, vous pourriez m'aider. Oui. Bon, comme d'hab, hein, c'est des quêtes secondaires, on ne va pas lire. Elle là. Ouais, voilà, prologue. Hein. Le prologue commence à être bas level, quoi. Et en vrai, c'est les quêtes par là qui m'ont un peu découragé à faire le jeu. Que parce que justement, mon jeu était trop moche. Et je me suis dit, non, ça va pas. C'est pas cool. Ça va pas intéresser les gens. Blablabli, blablabla. Mais là, ça va. Regardez l'ambiance, là, la petite musique en fond. Bon, en gros, mon jeu était comme ça, tu vois. Comme là au loin, là, mais de près. Voilà. Mais t'es sérieux, le bureau ? Blaireau là. Ça, c'est beau par là quand même. C'est quoi ça là-bas? C'est une ville? Bon. On pardonne. On pardonne hein, les gars. Maçon l'épine. Masse-moi l'épine. Bonjour. Quoi. Pourrais-je vous parler? Masse-moi ma grosse pine. Quoi? Ouais, ça commence. Bonjour. À. Accepteriez-vous à glisser, de on va dire. Ça glisse, chef. Vieux Bowman. Je peux vous demander de m'accorder un moment. Bah, je peux même te donner toute ma vie hein, en échange d'une petite saucisse. Ma petite saucisse. Hop là, on va manger les champignons. Ah. Boire un petit bœuf de 20 minutes. Là. Petit bœuf de 4 agilité. Dépôt de cuivre. Oh. Je savais même pas que j'avais une quête. Je l'ai tué comme ça pour le plaisir. Dégueulasse ça. On lui dit rien. Boum boum. Ok, on n'a pas de quête là-dessus. Alors, voilà. Est-ce qu'on a des trucs intéressants là? Non, on n'a rien loot de bien cool. Des branches de sorbier. Hache de forestier. Va peut-être falloir prendre un petit métier. Histoire 2, quoi. Alors, je vais être honnête avec vous. Hein. Je ne sais pas combien de temps je vais jouer au jeu. La dernière fois, le jeu m'a découragé assez vite. Hein. J'ai joué 3 heures, quoi.
Je lui donne une seconde chance parce que j'aime beaucoup le Seigneur des Anneaux. Et que en fait les fans des gens qui aiment le Seigneur des Anneaux m'ont dit que c'était bien. Du coup je me force. Ok, alors attends. Enfin je me force, pas vraiment. Là honnêtement je prends beaucoup plus de plaisir que la première fois. La première fois, j'avais trouvé le jeu vraiment moche. Là ça va. Le jeu est sympathique. Et surtout la nuit. La nuit, quand on était à Archer la nuit, j'ai vraiment kiffé la nuit. Un moment, je vous prie. Récupère le mouchoir. Bah pas de problème, je vais récupérer ton mouchoir, poteau. Ah. Laisse-moi. Moi, il y a une quête derrière, on va aller la chercher. Elles sont fortes les araignées des bois comme ça. Là. Destruction, mon gars. Les monstres sont un peu plus fort. C'est peut-être ça qui m'a fait chier la première fois. Bon, en fait, ils sont de mon niveau. C'est ça la différence. Après, il s'agirait d'arrêter d'en tuer pour rien. Voilà. A voir si celle-là est forte ou pas. Non, elle est beaucoup moins forte. Non, les niveaux ont une grosse importance apparemment. Ah, mais c'est la quête des loups que je dois rendre en fait. Ah, du coup, c'est normal. Pareil, là, vous regardez un peu la forêt là. Voilà. Tout le décor là. Non, pour le coup, le décor est vraiment cool. Comment puis-je vous aider ? En me donnant de l'armure. Oh là 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 là, repose-toi poteau. Il voit flou là. Le loup il voit flou. C'est vous dire la puissance de cet archer quoi. Poisson. Allez, ça dégage. Faut se méfier hein, parce que de temps en temps on se fait attaquer par deux en même temps. On va essayer de rester en vie très longtemps. Peut-être essayer de trouver des potions de soins, sauf si j'en ai déjà. Moral. Le moral c'est les soins, enfin c'est les points de vie.
J'en ai aucune idée. On va le mettre là. Et si jamais on est en difficulté, on appuiera dessus, quoi. Ok, on est bientôt arrivé. Et hop, le tir double, attention. Ta-ta-ta. Non, vraiment. En fait, je crois que j'aime beaucoup trop les forêts. C'est pour ça que là, je suis en train de kiffer, en fait. Genre, les décors en forêt, j'aime beaucoup. Le pharaon des champs. Tire la loi, là. Tueur de brigands. Bon, je pense qu'on vient juste de la commencer. C'est un monsieur du plateau noir, ça. Pourquoi est-ce que vous m'embêtez? Bah, viens te battre. Tu es un méchant. Vous avez peut-être gagné, mais... cette fois, mais je n'abandonnerai jamais. Dites à ma mère que je ne... ouais, de me laisser tranquille. Ok, en fait, c'est un gamin qui joue les rebelles, quoi. Ah, canne à pêche récupérée. Bah nickel. Voir un peu. On a tellement d'items. Bonjour. Non, il veut pas. Nickel. Hop, tir double. Ah, le tab marche aussi dans ce jeu. Ce qu'il y a de fou, anecdote, hein. Je joue beaucoup à Warcraft, à World of Warcraft. Et quand j'ai commencé à jouer à World of Warcraft, c'est parce que j'aimais beaucoup le Seigneur des Anneaux. Anecdote. Du coup, c'est rigolo de se dire que je n'ai jamais joué au jeu Seigneur des Anneaux. Enfin, celui-là, du moins. D'ailleurs, est-ce que j'ai autre chose à faire ici? Apparemment, oui, il y a un truc dans le fond. Est-ce que j'ai un moyen de récupérer des points de vie? Voilà. Tu me fais perdre mon temps. Bah maintenant t'en as plus de temps. On prend tout. On prend tout. Alors attends. Bloc de minerai de cuivre. Améthyste. Ah. Que j'ai un truc pour récupérer. Ration fade, ok, je sors. Mais laissez-moi tranquille enfin.
Attends, on va se concentrer un peu. Oh my wamo, Shindeli. Parfait. Trop de puissance, mon gars. Alors, attends. Je garde un truc dans le fond. Mais apparemment, ça se trouve pas par là. Maman manque 10 à tuer. Alors, cette vidéo est un peu longue déjà. Hein. Je devrais m'arrêter. Histoire que ce soit regardable, quoi. Parce que pour l'instant, ça commence à devenir irregardable. Hein, niveau durée. Bon. Ce sera juste cette vidéo. Les prochaines seront un peu plus courtes. J'essaierai de me limiter à une heure. Une heure grand max. On va essayer. On va essayer. Hein. Le mot important, c'est essayer. Hein. Allez, tir rapide. Voilà. Voilà, c'est un sans répute. Est-ce qu'il y a un rang 2 qui me demande d'en tuer 60? Ouais. Nouvelle promesse. Hein. C'était sûr. C'était sûr. Bon. On va d'abord aller à cette quête là-bas. J'ai bien fait vu qu'il y a des brigands aussi là. Allez hop, dégage. Un coup, un mort. De faire un truc, mais ça va pas marcher. Ah, c'était pas volontaire, désolé. Même si après avoir ramassé ce coffre, je l'aurais attaqué quand même. Une petite agate, une dague cassée et de l'argent. On prend tout. Alors, on est où? On est vraiment pas loin de notre quête. J'ai vraiment changé de cible en mode elle est morte. Oh bah salut. Hop là. Double tir. Incroyable. Brin de piment. Ajouté au saveur épicé, cet ingrédient peut être incorporé à certaines méthodes de préparation, ok. Cube de parchemin. Ok. Oh, on a eu des petits trucs, hein. Valeur d'esquive. Volonté, voilà. On va faire le tri. Enfin, je vais faire le tri de mon côté hein, hors vidéo. Pour éviter de. De passer trop de temps dans l'inventaire en vidéo, quoi. Je sais pas si j'ai passé beaucoup de temps là dans l'inventaire en vidéo. J'ai essayé d'éviter, mais je me souviens pas. Petite mémoire. Hein.
Allez, on va manger une petite ration. Petit repas. Petit repas. Petit repas. C'est dommage, hein, vraiment. C'est vraiment dommage. C'est le saignement. C'est vraiment dommage. J'aurais aimé rester plus longtemps sans mourir. On n'a pas été assez attentif, hein, faut croire. Ok, il y en a là-bas. Changement de cible, hein, comme d'hab. En mode, c'est bon, lui, il est mort. Par contre, c'est vraiment agréable de ne pas avoir à fouiller les cadavres. Même si ce serait plus cohérent. Hein. Parce qu'en vrai, on a le sac quasiment infini. Hein. Ouais. J'ai un javelot. Je sais pas pourquoi ça bouge comme ça. On est à 40 sur 50, hein, on a encore un peu de place. Ah, peut-être un item qui est bientôt... Non, même pas. Hein. Ça bouge sans raison, du coup. C'est toi qui es dans le pétrin. Okay. Encore 35. La vigile, hein. C'est parti où? Incroyable. Arrête de dormir. C'est marrant que je ne suis pas allé là. Ça meurt, mon gars. Ciblé, je sais même pas où il est. Non, mais ça doit, il doit être là-bas, non? Ça doit être lui, le boss. Ouais, voilà, c'est lui. Alors, attends. Oh my, wamo. Une de lui. Bon, les dégâts qu'il a subi, il lui reste 100 PV. Hein. Allez hop, ça dégage. Alors fais voir, on va aller tout en bas.
Rien de bien. Brin d'armoise. On prend tout. Oui, il en reste. Oui, il en reste un petit paquet quand même. Hein. Je vais barbeler, allez. Là, vraiment, je prends beaucoup de dégâts là. J'allais dire j'ai peur, mais non, peut-être pas. Hein. Peut-être pas abusé. J'irai de doser quoi. Comme d'hab, hein, on dose pas. Bah attends, ils sont beaucoup là. J'ai pas eu le réflexe d'appuyer là quand je suis mort. C'est dommage là, ouais. Du coup oui, hein, le moral c'est du soin. Enfin le moral c'est les points de vie. Oula, pourquoi ça fait ça? Ah ok. C'est ma faute du coup. Non par contre c'est pas censé le refaire. Hein. Jack le balafré. On se concentre. Oma et Wamo. Shindulu. Voilà, destruction. Et les guerriers. C'est des sarrasins ça, je reconnais. Sarrasins. Alors. Il nous reste combien de brigands à tuer là? C'est un loup. On va le laisser tranquille le loup. 5, bon ça va. Voilà. Plus que deux, ça tombe bien. Et voilà. Et ben c'était long. C'était long au possible. C'est ça qui fait mal là. Ah, il y a un coffre. On va aller chercher le coffre. Hein. Ça coûte rien de prendre le coffre, hein, du coup on le prend. Puissance, ça doit être la mana. Vous devez apprendre, reprendre des forces avant d'essayer de vous réanimer à nouveau. Ok, j'ai une heure de CD de reste gratuit. Quoi. Thank you.
Ok, quand on bouge, on est moins précis, ce qui est cohérent. On en est à combien? 46, ok. Pierre grossière. Une boucle d'oreille. On a vraiment beaucoup de choses. Hein. Oh, vraiment, je voulais pas attaquer le loup, quoi. C'est pas grave. Ça revient au même. Bon. On va les rendre un peu tous nos quêtes, là. Et on va retourner aux villes à Combes. Et on se prépare pour la prochaine vidéo, hein. Bon, dans la prochaine vidéo, je vous promets une chose, il n'y aura pas de quête secondaire. Les quêtes secondaires, à partir de la prochaine vidéo, je les ferai dans mon coin. Et si, par exemple, il y a un autre événement du style tuer 90 ennemis, hein, parce que c'est ce qu'on vient de faire. Hein. On l'a tué 30 et après 60, hein, c'est 90. Et on en a même tué plus, hein, parce que là, j'en tue encore. Attends, il y a un attroupement, là, d'ennemis, là. Sergent. Oh, sergent de rien du tout. Hein. Oh là, ça meurt. Hein. Un bloc. Mon petit doigt me dit que j'ai bien fait de le tuer. Hein. J'ai eu un bloc. Enfin, on est déjà niveau 11. En vrai, ça va vite, mais en même temps, il y a 140 levels à monter. Hein. Bonjour. Tant pis. On va aller rendre cette petite quête. Belle journée. Laisse ton oncle tranquille, poteau. Hein. Il est vieux. Les vieux aiment se plaindre. Hein. En fait, c'est pas que les vieux aiment se plaindre. Hein. C'est plus parce que, en fait, les vieux souffrent hein, parce que ben, ils sont vieux. Quelque part. Il y a une certaine cohérence. Hein. Imaginez-vous, vous avez 30 ans, vous avez mal au dos. Bah, un vieux, il a quoi? Il a encore plus mal que vous. Hein. Il a beaucoup souffert. Et en fait, les gens aiment parler d'eux-mêmes. Faut savoir une chose. Les êtres humains aiment parler d'eux. Si vous voulez plaire à quelqu'un, vous n'avez pas besoin de lui raconter votre vie. Il suffit d'écouter sa vie, en fait. Et en gros, vous lui parlez, vous lui demandez comment il va. Et... L'être humain aime parler de lui, globalement. Du coup, ben... C'est pour ça, les vieux se plaignent parce que, ben... Ils sont vieux, ils souffrent, ils racontent leur vie, quoi. C'est chaud. Voilà, voilà. C'est intéressant ce que j'ai dit ou pas? Peut-être, peut-être pas. Ça n'a aucune importance. Oh, putain, t'as beaucoup de points de vie, toi. 385 000, quoi. Ça fait beaucoup, hein. Après, World of Warcraft, ça se compte en millions à une époque. Genre, t'avais quasiment 10 millions de points de vie, ou je sais plus combien. Je sais plus, je crois que c'est à Légion. À Légion, t'avais vraiment beaucoup de points de vie sur Warcraft. Désolé. Vous aviez besoin de quelque chose? Non, madame.
C'est vous qui aviez besoin de quelque chose. Maintenant, c'est arrangé. Bonjour. Bonjour. Tac. On a encore des quêtes ? Ouais, c'est le marais de l'eau, cousin. C'est là que c'était assez beau pour le coup. Mais apparemment, là, tout droit. Tout droit. On est à Brie. Pays de Brie. Quartier général des brigands. Ok, ok. Le pavillon chasse. Ok, je vois, ok. Je comprends certaines choses. Apparemment, il y a une monture là. Bonjour, monsieur. Go à Faucombe. Ah bah écoute, on y va à notre allure. Hein. J'aimerais un cheval. Voyager pour. Non, je veux acheter un cheval. Voyager pour. Mais comment je fais pour acheter un cheval? Je peux pas acheter un cheval? J'ai l'impression qu'il veut pas me vendre un cheval. C'est pas ici qu'on achète du cheval? Des chevaux, bien sûr. Des chevaux, je sais, c'est bon. Oh là là. C'est pas d'humour, hein. Bon. Dans tous les cas. Dans tous les cas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour la suite de notre aventure. Au revoir.